Hey, on est le 12 avril. 12 avril. Regardez ça. Ah ouais, je suis dans mon char. Ah, la semaine est finie. Vendredi, fin d'après-midi, pars de la job. Passe à peu près 10 minutes à déneiger le char. Super le fun pour un 12 avril, hein? Ouais. J'ai toujours été un gars, moi, qui respectait la nature. Tu sais, je fais attention. Je fais mon recyclage, hein, comme ben du monde. Puis je me souviens, quand j'étais jeune aussi, j'ai commencé ça jeune, mon respect pour la nature. Hein, je me souviens d'une fois, mon père, il avait frappé un écureuil en char. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de l'éviter. Mais moi, j'étais fâché parce que... on dirait qu'il a même pas essayé de l'éviter. Je me souviens, j'ai sacré des claques. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, écraser un écureuil. Oh, oui. Ah, j'ai toujours été sensible pour l'environnement. J'en recule de loin. Ouais. Mais on va vous dire une affaire, par contre. Ma sensibilité pour l'environnement, elle vient d'ouvrir une parenthèse. Si jamais je suis en char, puis il y a une marmotte qui traverse la rue, il y a quelque chose en dedans de moi, là, un 12 avril avec la neige de même, là, qui me dit « Ça se peut que moi aussi, je fasse pas de move pour l'éviter, la marmotte. Elle va y penser la prochaine fois avant de nous annoncer le printemps. » Ah non, mais je suis écœuré. Mais je me dis, il y a pire que ça dans la vie. Ouais. Ah ouais, il y a pire que ça dans la vie. Mais moi, vous le dire que drette là, quand je regarde par la fenêtre de mon char, là, je suis pas capable de trouver quelque chose qui pourrait être pire que de la neige un 12 avril. Ah, les gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est ça. Fait qu'on va aller essayer de trouver un peu de féerie dans la belle neige du mois d'avril. Merci. Bye.